Bon, on reprend donc ici. Après un peu de cardio dans l'escalier. Excuse-moi. Jesus. I wonder how long they kept these running past outbreak day. I see some running that way. Let's go then. Getting closer to light. Hey, let me get you up there. Yeah. What you got? Ah. Mais... Et... Ok. Let's rally. We're almost out. Lead on. J'ai cru que j'avais tiré une balle sans faire exprès, même si ça aurait été improbable avec une seule gâchette. Merci. Ellie, your mask. Here, we can share mine. No, 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 no! Don't take it off. Ellie, stop. Ellie, stop. What? No! Ellie, no! Stop! I'm not infected. I'm immune. I'm not coughing, do you see? C'était pas des conneries. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go! Go! No! Oh wow! La réunion du terroir des mangeurs de chair. Ah! This way! Hurry! Fuck! Go right! Allez à droite, oui! Donc pendant tout ce temps, elle l'avait dit à personne. Hey. What do you say we rest in that theater? That sounds so fucking good. Almost there. Une porte, non, c'est ouvert. Allez, allez les filles. Ah. Idina allait lui donner son masque en mode normal. Si c'est pas de l'amour, ça. Heureusement que c'est mon masque et pas le sien qui s'est pété, hein. Bah non, dans ce cas-là, Ellie lui aurait donné son masque.
You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie. Oui. I just saw you breathe spores. I told you. I'm immune. Okay. You're immune? Chou. Come on. Bah, t'as eu une preuve. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. Oui, c'est ce que je te disais. Maria, Tommy, Joel are the only ones who know. No. Ouais. Now you know. I can't. Get you infected if that's what you worry about. I can't make you immune either. Dommage, ce serait pratique. Allez, on roule des pelles à tout le monde et tout le monde est immunisé au virus. You say something. Something. Quelque chose. Quoi? Ouais, ouais. Je suis extrêmement surpris. C'est hilarant, ça, putain. What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. You fucking kid. How long have you known? It was late a few weeks ago. We could have still turned back. I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Make sure this place is secure. Just rest. Oh, shoot, Kate. De toute façon, c'est un fait. Si on insiste sur le fait qu'une femme vomit sans avoir de symptômes de maladie quelconque, c'est qu'elle est enceinte. Donc, dès que j'ai vu Dina vomir, je savais que c'était ça. Les ennemis détectés en mode écoute apparaissent plus nettement. Réduit de moitié le temps de confection des objets et vitesse de déplacement en mode écoute. Ça, attends. Ça, je vais l'acheter juste parce que le niveau 4, ça améliore mes kits de soins. En soi, le reste, je m'en fous. Mais kit de soins amélioré, je dis oui. Pregnant. Fucking pregnant.
Alors, 4 septembre, avec Perez, Green et Adams, on est arrivé au poste d'écoute il y a 2 jours et tout même pour l'instant. Le WLF n'est pas encore venu fouiller de ce côté. Ces ordures ont envahi toute la ville, on a un vol monstre et un bon sens du timing pour s'enfuir du QG. Torres, Ward et les autres sont sûrement morts, on campe ici, heureux d'être encore en vie. 6 septembre, j'arrive pas à dormir, fièvre de cheval, pas de médoc, on a cherché partout, on n'a rien à part nos propres uniformes. Personne nous a appelé sur la radio non plus, combien des nôtres s'en sont tirés. 7 septembre, encore fiévreux, pas de grosses entailles, donc sans doute pas une infection. Les autres attendent la tombée de la nuit pour filer à l'hosto chercher des médicaments et des provisions pour reprendre la route, ils sont sympas. 10 septembre, ça devrait pas leur prendre autant de temps. Oh, il y a un camp. Ils étaient tous collés là, les coquinous. Collés, serrés, dans la tente infectée. J'allumais des trucs là. Je sais pas trop à quoi ça a servi, mais je pense que ça n'a pas été inutile. Alors, 13 septembre. Ah, c'est la suite. Ils reviendront pas. Soit ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. C'est pas de ma faute si je suis tombé malade. Au moins, j'ai plus de fièvre, mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. 15 septembre. Il pleut sans cesse, mais au moins je m'aurai pas de soif. Le problème, c'est que ça fait planter l'électricité tout le temps. Du coup, difficile d'utiliser la radio. Mais bon, c'est pas comme si j'avais une réponse de toute façon. Le WLF ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la FEDRA, c'est pas possible, faut que je continue d'essayer. J'ai rêvé, 16 septembre, j'ai rêvé qu'il riait alors que je me vidais lentement de mon sang à cause d'une blessure par balle. Je me suis réveillé à 1 h encore tremblant, j'ai besoin d'une clope. J'aurais dû en trouver facilement dans un putain de théâtre, mais pas dans celui-ci apparemment. 19 septembre, le courant est encore mort, je vais te montrer ce vol, le toit. Pour voir si je peux le relancer. Ah donc c'est lui qu'on a trouvé mort. Oh. Ah, une clé. Merci. J'avais un truc à ouvrir avec une clé, je me souviens. Attends! Ah bah d'ailleurs, il y avait un coffre dans les égouts. J'ai pas trouvé le code au final. Dommage.
Beyond. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau? Imani Graves. Après une expérience de mort imminente et 2 semaines de coma, cette inspectrice chevronnée découvre qu'elle peut voyager en entre autre monde à celui des esprits, communiquer avec les morts. Viens donc. Sous le nom de Beyond, elle résout des enquêtes criminelles et soutient des familles en deuil grâce à des talents de médium. Cependant, ses incursions dans l'autre monde accélèrent son rythme et ses 35 ans sont déjà loin. Combien de temps lui reste-t-il réellement? Ah, ça, ça pue par contre. Ok, donc je suis revenu là. La clé, la porte à ouvrir, elle était en bas. Ouais, Chouquette, t'es toujours là? Toujours en PLS? Elle a trouvé la bonne clé du premier coup. Il y avait 3 clés dessus quand même. Quoi? Ah, une guitare! Attends, je vais devoir jouer, c'est ça? C'est bon, je suis prêt. Pourquoi tu vas pas jouer pour Dina? J'avais remarqué que dans The Last of Us, bon, dans le 2 j'ai pas bien fait gaffe, mais dans le 1 il y avait beaucoup de guitares dans le... Oh, flashback. Storm sound like something. Oh, I suck. Just need to build up your calluses, that's all. Man. All right, come on. Is it? Yeah. Oh, shit. Do you want to spoil your surprise now? I don't know. Is it a dinosaur? Stop trying to guess. I ain't telling you. All right. Is it an elephant? Is it a convertible? You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? You mean a litter? What's a litter? A bunch of kittens. Why wouldn't you call it just a pet? We're walking
first off. Je vais pleurer. I got it. Oops. Ah, ah. Quel connard. What is wrong with you? You should see your face right now. What if I drown? You're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. Let's see what happens. This way. Worse. Your swimming's getting better. Remember now, don't just flail about. You push gotta... the water with your whole arm. Blah, blah, blah. I had to know I'm getting through. Take a look at this. See it? See it? Just in there. Pousse-le dans l'eau. Pousse-le dans l'eau. Voilà. How's that feel? Refreshing. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually, we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Now, come on. You're gonna need to dive under here. Take a deep breath. Yeah, I got this. Ah bah tu m'étonnes que le premier truc qu'il lui a appris c'est nager. Is it my sixth grade history teacher wanting to apologize for being a massive dick? I beg your pardon? My friend and I would argue whenever he called the Fireflies terrorists. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people rile you up. It's hard when you're dicks. Point still stands. Et maintenant, on retourne dans la flotte. Get another dive over here. Why are you digging me? Sneakers? How many of those do you have? Not enough. Les fesses de Joël, elles m'avaient manqué. Okay. Fuck it. I'm done guessing. Well, good. Non, moi j'ai pas envie. Is it a... massive comic book collection? No, wait. A new DVD collection? Yes. Which one? Just... yes. How about laser discs? I heard that's a thing. Un dinosaure. Shit, Joel. J'avais raison. Oh my god, it is a dinosaur. And it is. Joel. Surprise. Shit. It's a motherfucking dinosaur. Qu'est-ce qu'on fait? On grimpe dessus? Où est mon option câlin? Figured right.
What's this? It's a book. It's a dinosaur book. Okay. Those talons. That is a velociraptor. Actually, it's a Deinonychus. Pretty sure these are velociraptors. Yeah. I mean, at least that's what they call them in this movie I saw. Sorry, the dinosaurs are busy right now. What are you doing? Oh, wait. One of the dinosaurs is here. Did you get it? That's your old... No, I get it. Okay. Ah, mon Dieu, c'est ma bipolarité qui se réveille. Bon, restons concentrés. Compsognathus. Ah, je me souviens de cela. Big name for you guys. Yeah, it's warm. Did you see that in the movie too? Actually, yeah. But a different one. See, there's a sequel. Yeah. Wasn't as good. Velociraptor. Joel, this is the one you were talking about, the Velociraptor? So small. Well, don't trust the movies, I guess. Allosaurus, Tyrannosaurus Rex, Bacillocephalosaurus, Parasaurolophus. This one looks like a bird. Well, actually, paleontologists believe the birds were descended from dinosaurs. Well, excuse me, Mr. Professor. I happen to know a thing or two. From a movie. Keep going. Brachiosaurus ate 600 pounds of plants each day. Ooh, imagine the poops! Hey, there's one scene where, actually one of the guys said, that's a big amount of shit. What is this movie, and when can we see it? Tell you what, when we get back to Jackson, movie night. Dimetrodon was an apex predator. It's an apex predator? The most badass predator? Huh. Pretty short for that. Wait, were you talking about me? Huh. The Nighthawk. Oh, cool. What you got there? These, superhero cards. Seems like they were popular. I think Sarah was into those for a while. What was it, that little creature thing? I forget.
Alors, lorsque cette nouvelle recrue de l'Air Force se retrouve au beau milieu d'un affrontement entre Aerobot Spark et la Société of Champions, c'est la réactivité qui finit par payer. Blessé au bras et aux jambes, le Dr. Stem lui crée des ailes et des pales énergétiques qui permettent à Jerry... J'avoue, de se déplacer à une vitesse hallucinante sur Terre comme dans les airs. Accompagné de son fidèle ouvrier Ezio... Ezio Nighthawk parcourt actuellement le monde à la poursuite de malfrats, toujours prêt à plonger au cœur de l'action. On dirait un monde médicament. C'est vrai, c'est totalement vrai. Regarde, Joël, des chiottes! Regarde Joël, mon visage est déformé par le virus. Regarde, il se marre derrière. Enfin bref. Dis-moi que je suis la plus belle des choupinettes, dis-le-moi. Non, je déconne, la plus belle des choupinettes, c'est Siri. Alors, on en était où? Stegosaur. Ah! Triceratops means three-horned face. You would not want to be on the business end of that one. I am a Stegosaurus, comme dans les SF movies. Whoa, this one's brain was the size of a walnut. No, no way. Looks like you two have something in common. Oh, good one. Là c'est l'entrée, non? Oui, c'est ça, c'est de là qu'on vient. Je crois qu'ici j'ai tout. Ah non, j'ai pas regardé la plaque. J'ai pas regardé la plaque. Là j'ai déjà vu ça. Ça... Ah non. Gallimimus's name means chicken milk. Who names these? Scientist. Ah, maintenant je vais aller en haut. Did you go to museums a lot? Yeah. Yeah, Sarah loved them. I swear that girl dragged me to every damn museum in Texas. Tu suis le dinosaure? Pardon. Did you know this was here? We can head back. Oh, shut up. Oh. Hey, Joel, can you name all the planets? My very educated mother just served us nice pizzas. Did you just have a stroke? My Mercury. Very Venus. Mother Mars. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. Par contre, toi, il y en a une qui tourne pas. Il y en a même plusieurs qui tournent. Ah ben non, mais c'est parce que c'est très lent. Regarde, la Terre, elle tourne vachement vite. Là, celle avec les anneaux, c'est Jupiter, et tourne très lentement. Et pareil pour la grosse qui est là. D'accord. Hey, Joel. Guess what the first animal to go to space was? I have to guess. That was a monkey. No, it was fruit flies. Yeah, in 1947. It was to see radiation exposure at high altitudes. And it lived through it. Dadgum, girl, you are smart. Thanks. Did they become super fine? What? Ah, il y a des trucs à voir avant. Ah oui, séance lecture. Je m'en bats les couilles.
Dessert. Tony et Joël, les deux cow-boys. Je déteste la ferme, je vois pas pourquoi tout le monde veut faire ça. Note pour plus tard, demander à Maria où je pourrais m'inscrire à la formation aux patrouilles. Aujourd'hui, Dina et moi, on est tombés sur un camp abandonné. Elle m'a dit que des enfants venaient s'amuser ici l'été. On a trouvé du matériel d'art plastique, elle a découvert des feuilles sur des elle a découpé des feuilles de couleur pour faire des couronnes pendant qu'il pleuvait, c'était une bonne journée. Joël a dit qu'il m'emmènerait camper la semaine prochaine pour mon anniversaire. Il a dit qu'il a trouvé un truc qui va me plaire, il a l'air tellement fier de lui, il me fait rire. Kat s'est assise à côté de moi pendant le film, le coup de se toucher, je crois qu'elle le faisait exprès, j'en sais rien, probablement, peut-être pas, probablement pas. Dina m'a fait une couronne... Merde. Pour mon anniversaire, elle est retournée au camp pour chercher du papier, c'était plutôt cool. Un jour. Fuck yeah. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Huh. Hang on. Where's the real one? Considering they left the real ones on the moon, I would say no. Qu'est-ce que tu fais? Space, you're gonna need a helmet. Oh, right. What was I thinking? So cool. How's it smell? Like space and dust. Tu viens pas avec moi? T'aurais dû prendre un point. Wow. Look at all these buttons. So badass. Man. Could you imagine just Happy birthday, kiddo. Qu'est-ce que c'est? This is a thing that took a mighty effort to find. Take it.
Où est mon option câlin? Jeu de merde. What do you say we keep looking around, huh? Yeah, I guess. Oh là là, papa Joël, tu es tellement museum stuff over there. Yeah, I never checked out that building. Well, let's go. And just how do you plan on getting yourself? Never give anyone else this much grief. Get down here. No. Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. Bien sûr que si. Nice. Eh ben voilà. Ah, il est là. Qu'est-ce que tu regardes? Centre d'histoire naturelle. Et c'est fermé, évidemment. Hey, who's being there? Yeah, I don't know. I'll open the door for you. Come on, we can't chicken out now. Bah écoute, j'aurais bien proposé le contraire, mais je me vois pas te soulever, mec. Je suis désolé. C'est quoi ça? Mais moi aussi, je veux un câlin. Ah, yeah. Non, je peux pas péter des vitres pour l'instant. Cette merde. Wesh.
Alors, nous voulions mettre un terme à la souffrance. Nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça en vaudrait la peine. Aujourd'hui, le truc est dissous, il ne reste plus rien. J'ai pensé que venir ici réveillerait quelque chose, me donnerait un but. Mes parents adoraient m'amener ici. C'est un des premiers souvenirs d'avant l'épidémie, avant la cruauté et la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde, je ne veux plus me regarder en face. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Let's get a move on. I want to get a fire going before it gets too dark. C'est pas les seuls menteurs dans l'histoire, du coup. Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? S'entraîner? Je vais faire ça et puis je vais terminer là-dessus. Attends, du coup, je fais quoi dans l'ordre alphabétique? Je comprends pas. Lina, t'es toujours là, Chouquette? Non. Ok, où vous avez caché ma copine, bande de salauds?
Salut. How hot do I look right now? Pretty hot. How'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. They found our mess at the school. Good. This guy, Owen, he went AWOL. Maybe Tommy got to him. Maybe. What about her? Nothing yet. So, the numbers are locations. Mm-hmm. The TV station we were at, that's 6. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. Tommy, where's 14? Not 100% sure. Okay, then guess. If this is 7, 12's all the way over here. I guess it's somewhere in this neighborhood. Impressed. Okay. Putain, mais t'es genre enceinte d'un mois, c'est quoi ton problème? Allez, un gros bisou avant de partir, un gros bisou qui sent le vomi. Non, même pas? Oui. Quoi? Give me your hand. Qu'est-ce que c'est? It's for good luck. Oh. I don't believe in luck. I do. Voilà, si, quand même, un petit bisou. Voilà. Barricade la porte. Mais surtout, je devrais y aller à pied. J'ai déjà arrivé. Okay, Hillcrest. Is this the right place? Definitely the right place. On va se quitter. Salut, salut. J'arrive, Tommy. Shit. J'arrive.